Bonjour et bienvenue dans le cours de mathématiques destiné aux élèves de la troisième année collège. Le présent cours est intitulé Théorème de Pythagore. Il est préparé par l'inspecteur Mohamed Béchir Oussidati et présenté par l'inspecteur Mohamed Ouled. Ce cours est conçu suivant le plan suivant. Objectif, activité introductive, résumé de la leçon, application et évaluation. Les objectifs. 1. Découvrir et connaître le théorème de Pythagore. 2. Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des longueurs ou des angles. Activité introductive. Activité numéro 1. Premièrement, tracer un triangle ABC rectangle en 1 avec AB égale 8 cm, AC égale 6 cm. Mesurer en cm le côté visé. 2. Recommencer avec ABC rectangle en 1 tel que AB égale 12 et AC égale 5. 3. Comparer à chaque fois AB carré plus AC carré et BC carré. Quel résultat peut-on tirer à partir des deux cas? Remarque, les mesures ne sont pas des démonstrations. Activité 2. Calculer en fonction de petit a, petit b et petit c l'aire du carré ABCD suivante par deux méthodes différentes. 1. Déduire que C carré égale A carré plus B carré. Activité 3. Dans la figure ci-dessus, B, I, A, C, J, B, D, K, C et A, L, D sont des triangles semblables, ayant même mesure de côté. Ils sont aussi rectangles respectivement en I, J, K et L. On donne AB égale BC égale CD égale DA égale petit c, IA égale JB égale KC égale LD égale petit b, et IB égale JC égale KD égale LA égale petit a. Calculer en fonction de petit a, petit b et petit c, l'aire du carré ABCD par deux méthodes différentes. 1. Déduire que A carré plus B carré égale C carré. Activité 4. Calculer l'aire du trapèze BCDE de deux manières différentes et 1. Déduire que A carré plus B carré égale C carré. Traitement des activités. Activité numéro 1. Premièrement, en utilisant la règle gradée, on construit le triangle demandé comme indiqué ci-contre. Puis, en mesurant le côté BC, la lecture sur le bord de la règle donne BC égale 10. AB carré plus AC carré égale 64 plus 36 égale 100. Et BC carré égale 10 au carré égale 100. Résultat, AB carré plus AC carré égale BC carré. 2. Par la même procédé, on construit de nouveau le triangle répondant à la question, comme le montre la figure ci-contre. En mesurant le côté BC, la lecture sur le bord de la règle donne BC égale 13 cm. AB carré plus AC carré égale 144 plus 25 égale 169 égale 13 au carré égale BC au carré. Résultat, AB carré plus AC carré égale BC carré. Activité 2, soit alpha, l'aire du carré ABCD. On peut calculer cette aire par deux méthodes différentes. Méthode 1, alpha égale A plus B fois A plus B égale A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B au carré. Méthode 2, on constate que le carré ABCD est composé du carré de côté C et de 4 triangles rectangles ayant même aile. Par conséquent, alpha est égal à C carré plus 4 fois A fois AB sur 2 égale C carré plus 2AB. Par identification des deux écritures 1 et 2, on trouve A carré plus 2AB plus B carré égale C carré plus 2AB. En référençant 2AB aux deux membres, on trouve AB carré, A carré plus B carré égale C carré. Activité 3. En poursuivant la même démarche appliquée dans l'activité 2, on a alpha, l'aire du carré ABCD. On peut calculer cette aire par deux méthodes différentes. Méthode 1, alpha égale C fois C égale C au carré. Méthode 2, on constate que le carré ABCD est composé du carré IJKL de côté A moins B et de 4 triangles rectangles ayant même R. Par conséquent, alpha est égal à A moins B de tout au carré plus 4 fois fois B sur 2. Égale C carré plus 2AB. En simplifiant l'écriture, on trouve alpha égale A carré moins 2AB plus B carré plus 4 fois A fois B sur 2 égale A carré moins 2AB plus B carré plus 2AB, d'où alpha égale A carré plus B carré. Par identification des deux écritures 1 et 2, on en déduit que A carré plus B carré égale C carré. Activité 4. Soit alpha du trapèze BCD. On peut calculer cette aire par deux méthodes. Méthode 1, on sait que l'aire du trapèze est donnée par la formule alpha est égal grande base plus petite base fois hauteur sur 2.
Grand base est égal petit a. Petite base égale petit b. Et h égale a plus b. Donc alpha égale a plus b fois a plus b, le tout sur 2. Égale a carré plus 2ab plus b carré sur 2. Méthode 2. Le trapèze BCDE est composé des triangles rectangles AFD, ABC et ACD. D'où alpha est égal RAFD plus RABC plus RACD. Le calcul des aires des triangles donne alpha est égal B fois A sur 2 plus A fois B sur 2 plus C fois C sur 2. Égal B fois A plus A fois B plus C fois C et tout sur 2. Égal BA plus AB plus C carré et tout sur 2. Égal 2AB plus C carré et tout sur 2. Par identification des deux écritures, on a A carré plus 2AB plus B carré sur 2 égale 2BA plus C carré sur 2. Et en simplifiant, on en déduit que A carré plus B carré égale C carré. Résumé du cours. 1. Définition. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. C'est le côté le plus long. 2. Énoncé du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. ABC est rectangle en A, alors BC carré égale AB carré plus AC carré. Exemple 1. Dans chacun des cas ci-dessous, calculez la longueur du côté indiqué. Le premier cas, MPN est rectangle en M avec MN égale 4,2 cm et PN égale 5,8 cm. On demande de calculer MP. Deuxième cas, ABC est rectangle en A avec AB égale 2 radicales de 6 cm et AC égale 5 cm. On demande de calculer BC. Réponse. A, d'après Pythagore, MP carré plus MN carré égale PN carré. D'où MP carré égale PN carré moins MN carré. C'est-à-dire MP égale racine de PN carré moins MN carré. En remplaçant par les valeurs données, on trouve MP égale racine de 5,8 au carré moins 4,2 au carré. Égale racine de 33,64 moins 17,64. Égale racine de 16 égale 4. B. D'après Pythagore, BC carré égale AC carré plus AB carré. C'est-à-dire BC égale racine de AC carré plus AB carré. En remplaçant par les valeurs données, on trouve BC égale racine de 5 au carré plus 2 radical de 6 au carré égale racine de 25 plus 24 égale racine de 49 égale 7. Exemple 2. ABC est un triangle rectangle en A. Calculez le carré de la longueur de l'hypoténuse à l'aide des valeurs de AB et AC proposées. AB égale 3 et AC égale 1. AB égale 6 et AC égale 7. AB égale 4 et AC égale 4. AB égale 4,2 et AC égale 10,1. Réponse. On reprend le même tableau en complétant par les calculs comme suit. AB carré égale 9, AC carré égale 1, AB carré plus AC carré égale 10. AB carré égale 36, AC carré égale 39, AB carré plus AC carré égale 45. AB carré égale 16, AC carré égale 16, AB carré plus AC carré égale 42. AB carré égale 17,64, AC carré égale 112,01, AB carré plus AC carré égale 119,65. Application, exercice 1. Un poteau électrique de longueur 8 mètres est relié par un fil électrique au sommet d'une maison de hauteur 3 mètres. Donnez une valeur approchée de la longueur de ce fil en centimètres, sachant que le point de fixation du fil électrique à la maison est à 6 mètres du poteau électrique. Corrigez, soit est la longueur du fil cherché. On a la distance de la maison au poteau est 6 mètres. Dans cette figure, on remarque qu'il y a un triangle rectangle d'hypoténuse ayant pour longueur L et dont les deux autres côtés mesurent respectivement 6 mètres et 5 mètres. Donc, d'après Pythagore, L carré égale 6 carré plus 5 carré égale 36 plus 25 égale 61, c'est-à-dire L égale racine de 61. On peut prendre comme valeur approchée pour L, L égale 7,8 mètres. Exercice 2. Soit ABC un triangle équilatéral du côté A, entre parenthèses, A est un nombre positif. AH est la hauteur ici de A. Petit a, montrez que AH carré égale AB carré moins BC sur 2 le tout au carré. B, induire AH en fonction de A. Corriger, A, comme le triangle ABC est équilatéral, H est le milieu de BC. On a aussi AHB et rectangle en H. D'après Pythagore, AH carré plus HB carré égale AB carré. C'est-à-dire AH carré égale AB carré moins HB carré.
और हशवी गर्भी से सर्जरी सिथाजीर हशवी करे गर्भी से सर्जरी तो करे और रात का दांडी गई थी फिर सिद्धांत अंतरूफ आहश करे गलाबी करे मैं ऐसे सर्जरी तो करे कम आहश करे गल आ करे मैं आ सर्जरी तो करे गल आ करे मैं आ करे सिद्धांत गल कत आ करे मैं आ करे सिद्धांत गल चवा आ करे सिद्धांत और प्राण तरसिन करे दीजो मामबर सखिजन आहश एकल आरत कल दचवा शर्ते एवलुएशन एक्सरसाइज अ choisir la bonne réponse en justifiant si ABC est un triangle rectangle en A alors petit a AB carré plus BC carré égale AC carré petit b AB carré plus AC carré égale CB carré petit c AC carré plus BC carré égale AB carré exercice 2 répond par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes petit a dans un triangle rectangle la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse B. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Exercice 3. On a fixé au mur une étagère ST en la soutenant par un support SP. ST égale 17,6 cm et TP égale 33 cm et SP égale 36,4 cm. L'étagère est-elle horizontale? Justifiez votre réponse.